Merci beaucoup. Donc je m'appelle Emmanuel Delors, officiellement du lundi au jeudi je suis ingénieur informatique au CNRS. Ça c'est mon premier boulot. En deuxième boulot donc je suis en train de monter une vraie offre de freelancing vidéo cumulée à diffusion médiatique donc sur YouTube hein, qui reste la première plateforme vidéo du monde. Et si vous ne le saviez pas, YouTube est le deuxième moteur de recherche actuellement dans le monde. Et testé sur votre repas dominical dimanche, vous verrez que quel que soit l'âge, contrairement à ce qu'on pense, YouTube n'est pas une plateforme pour les adolescents. Tout le monde se met à la vidéo. Quand vous avez un problème pour votre voiture, pour la réparer, vous allez voir sur YouTube. Quand vous allez acheter quelque chose sur Leroy Merlin, vous allez sur YouTube et vous avez le tutoriel de Leroy Merlin, etc., etc. Donc tout est en train de passer dans le monde de la vidéo. On va passer déjà à la recherche vocale et ensuite on va vraiment passer sur la recherche de la vidéo. Et aujourd'hui, vous le faites tous avec le smartphone que vous avez dans la poche, le petit trojan que vous ont mis les géants de la tech dans votre poche. Vous scrollez toute la journée de haut en bas et arrivez à vous faire arrêter sur une news sans vidéo. Alors avec la photo, on y arrive encore sur Instagram. Et encore, croyez-moi qu'Instagram va tirer de plus en plus vers la vidéo. Mais si vous ne communiquez pas par vidéo, vous n'arriverez pas à captiver votre audience et encore moins avec un rapport de 120 pages de nos chers députés, même s'ils en font un résumé de 20 à la fin. Vous le voyez qu'ensuite par vidéo que finalement ils ne les ont pas lus. Donc essayez de concentrer votre vidéo, même si Twitter maintenant vous permet de faire 280 caractères et non plus 140. Je vous incite vraiment à aller là-dessus. On va revenir plutôt sur la crypto-monnaie puisque... Alors crypto-actif comme voudrait l'appeler le gouvernement si on veut rester sur le type d'asset et donc plutôt sur les investissements financiers. Pour savoir un petit peu dans la salle, on va faire un petit peu d'interactivité, peuvent lever la main ceux qui ont du, on va rester sur le Bitcoin, ceux qui ont du Bitcoin dans la salle, même si c'est 0,0, voilà, 3 personnes. Levez les mains ceux qui ont autre chose que du Bitcoin. Voilà, puisque je vous rappelle qu'il y a d'autres crypto-monnaies. Levez la main ceux qui viennent d'apprendre qu'il y avait autre chose que le Bitcoin comme crypto-monnaie. Pas grave, c'est un joke. Moi j'aime pas le mot monnaie, je trouve qu'il a été mal choisi en France. C'est dommage qu'on n'ait pas appelé et non pas crypto-actif, on est trop dans le financier, on est trop dans le business, on est trop dans l'action, on est trop dans la tokenisation de l'économie que vous allez en prendre des vertes et des pas mûres dans toutes les prochaines conférences sur les STO, les ICO et tous les trucs à trois lettres. Et on n'est pas au ministère de l'Éducation nationale où on parle avec 15 sigles par phrase. Moi, j'aurais aimé qu'on emploie le mot crypto-projet. Voilà. Derrière une crypto, derrière la cryptographie, derrière un projet blockchain, il y a un vrai projet. Il y a des équipes. Ceux qui pensent qu'ils dans cette salle ne sont pas faits pour la blockchain, pour la cryptographie, se trompent. Nelly vous en a fait la démonstration tout à l'heure. Vous êtes graphiste, vous savez faire des logos. Venez dans un projet blockchain, on a besoin d'un logo. Vous savez faire un site web, venez dans un projet blockchain, on a besoin d'un site web. Vous savez faire de la vidéo, venez dans un projet blockchain, vous aurez besoin de vidéo. Vous êtes community manager, vous savez bien répondre sur Facebook, vous avez un bon niveau de français, bravo, il en existe encore. Regardez comment les jeunes écrivent leur texto. Venez dans un projet blockchain, on a besoin de vous. Vous pensiez que vous étiez saturé sur les réseaux sociaux parce qu'on vous a demandé de créer un compte Facebook et un compte Twitter. Vous allez découvrir avec les réseaux sociaux Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'actuellement, je pense que je vais m'acheter un développeur en fait pour me faire ma propre application, pour faire de l'agrégation. Si vous voulez un projet et devenir milliardaire, vous avez encore mieux que le Bitcoin. Demain, vous produisez l'application qui fait de l'agrégation. Vous avez actuellement peut-être 40 ou 50 logiciels de chat et de réseaux sociaux différents avec des notifications absolument partout, même si vos téléphones peuvent gérer maintenant plusieurs applications en même temps. Vendez de l'agrégation. Ça va être pareil pour les services de streaming vidéo, ça va être pareil pour les services de streaming de jeux vidéo. Vendez de l'agrégation, là vous avez vraiment un marché porteur. Et quand vous cumulerez ça avec un projet blockchain et avec un projet de paiement instantané comme David nous a fait la démonstration tout à l'heure, le nerf de la guerre qui arrive, ça va être que le giant de la tech contrôle et votre data et les stocks et les connaissent, mais aussi vos paiements. Et le big data de la finance, ça va être vraiment le nerf de la guerre parce que si vous connaissez les moyens de consommation de votre client, là vraiment vous savez tout de lui. Déjà Google savait vraiment beaucoup de choses de vous, mais quand ils auront embauché un vrai mec pour faire une application de message et qu'elle sera unique et qu'elle ne changera pas de nom tous les ans et qu'ils l'auront concentré en une seule, ce que Facebook a déjà annoncé, fusionner WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger
Demain, vous faites un Facebook Coin dedans et vous avez 2 milliards de users en 24 heures qui ont accès au virement instantané bancaire. Et on embrasse la caisse d'épargne qui fait payer 1 euro le virement instantané. Voilà, donc il y a beaucoup de cartes bleues qui font déjà ça. Les banques sont vraiment en retard et je ne sais pas ce qu'elles font. Donc j'en ai un peu marre d'avoir 5 cartes bleues. Mais c'est vrai que si vous avez essayé Revolut, N26 ou IRX, la petite carte verte que j'ai là, vous faites vos courses chez Auchan avec, vous payez vos courses, vous recevez du Bitcoin. Vous faites votre plein avec, vous recevez du Bitcoin. Ça marche déjà. Même si j'y connais rien, même si je suis pas ingénieur informatique, ma mère peut faire ses courses chez Auchan et toucher du Bitcoin, il n'y a aucun problème. Le transférer du Bitcoin d'une personne à une autre, c'est presque aussi simple que PayPal. Et en plus, il y a un petit côté ludique avec l'appareil photo. Regardez les Chinois à Paris, vous verrez quand ils arrivent chez McDo, ils comprennent pas qu'il n'y ait pas un code barre pour payer quand ils arrivent à la caisse. Parce que là-bas, on paye déjà complètement comme ça. Vous, ça vous intéresse pas d'avoir la énième carte bleue, sauf quand Apple va vous foutre son logo dessus et vous faites 3% de cashback. Mais c'est pas ça le but d'Apple. C'est de connaître avec quoi vous achetez, de vous enfermer dans leur écosystème et de cumuler mon offre de streaming, mon offre de jeux vidéo, mon offre multimédia, mon offre de télévision. Et de, quand tu utilises ce service-là, je te donne des points fidélité. Ah, c'est une crypto-monnaie. Pour aller les dépenser sur ma boutique avec mon service et mon hardware. Et c'est ça la vision des gens de la tech actuelle. Et la guerre que vous allez avoir, c'est lequel va tirer le premier son application de chat avec X millions d'users qui vous fera le virement instantané. Parce que je prends ce smartphone, que je vais changer de main parce qu'il m'énerve, un smartphone à 50 euros aujourd'hui, je clique sur un bouton, je fais un live sur YouTube, sur Twitch, bientôt sur LinkedIn, sur Facebook et tout ça en même temps. Je deviens une chaîne de télévision avec un smartphone à 50 euros en qualité 4K, son, machin, ce que vous voulez, avec un petit micro comme j'ai là. Pour 200 euros, je suis une chaîne de télé où je peux toucher des millions d'users aujourd'hui dans le monde. Par contre, avec ma super banque qui me facture mon compte courant tous les mois, quand j'envoie un virement, eh bien, le samedi, il ne se passe rien. Le dimanche, il ne se passe rien. Le lundi, des fois, parce que... Attendez, c'est lundi de Pâques, il ne se passera rien. Déjà, je vous le dis. Et peut-être mardi, vous aurez enfin la thune. Et une fois que tu as goûté à Revolut ou à la crypto-monnaie où ton transfert, il arrive pas forcément en quelques secondes, mais allez, en quelques minutes, bah, quand ton pote, pour tes 20 euros de cadeaux, vous savez, les cadeaux groupés ou les cagnottes à la mode, sur ce que vous voulez, pour reconstruire un monument ou pour faire un cadeau groupé, tout simplement. Quand votre pote vous donne, tiens, je te donne mon IBAN, tu vas l'ajouter à la caisse d'épargne. On va l'ajouter. Alors, dans 24 heures ou 48 heures, tu le verras dans ton compte. 72 heures des fois. Et puis non, tu vas le faire un jour ouvré. Donc, tu vas cliquer sur le bouton parcourir, mais dans 3 jours. Parce que moi, je suis un site web, mais là, il y a des heures d'ouverture et de fermeture. Vu à la CAF aussi, hein, il y a un planning sur la page d'accueil. Un planning de site web, une invention française, je vous assure. Non, mais sans déconner. Donc voilà, le bouton parcourir. Et donc, vous aurez votre virement. Dans 72 heures, vous lancerez le virement. À un moment, l'argent disparaît du compte numéro 1. Je l'ai eu l'autre jour. J'ai fait un boursorama vers Shine. Shine, qui est une petite société française, start-up, qui fait un truc un peu dédié aux auto-entrepreneurs comme moi, qui a des problèmes de phobie administrative, comme d'autres ministres. Mais mon argent a disparu de la banque numéro 1 et mon argent n'était pas encore arrivé sur la banque numéro 2. Et je me suis posé la question, mon pognon, excusez-moi, sur laquelle je gueule déjà, sur celle qui avait le bouton chat le plus directement accessible, bon, mais elles ont pris les deux au final. Mais il y a eu un moment où je devais faire un achat sur le net avec cet argent. C'était pas une somme négligeable pour moi, parce que je suis un petit entrepreneur qui débute et que la trésorerie c'est un vrai problème et que les allers-retours sur Paris c'est un vrai problème. Je suis pas parisien, j'ai pas encore les moyens de revenir sur Paris et c'est un vrai problème. Et mon argent était nulle part, j'ai pas pu faire cet achat, j'ai dû attendre que mon argent arrive pour faire un achat. Et je veux plus jamais connaître ça avant la fin de l'année. Même si je dois déglinguer la banque A et la banque B, j'irai voir la banque C. Voilà. Que vous dire d'autre? Je vais prendre toutes les notes que j'ai écrites hier soir et que je n'ai absolument pas utilisées comme ma présentation, comme à chaque fois. On me demande souvent pourquoi j'ai pas fait deux chaînes YouTube. Moi, je suis de formation bagage technique, ingénieur, blabla, tout ça avec des mots compliqués.
et anglais. Pourquoi j'ai pas fait une chaîne dédiée à la crypto-monnaie, à la blockchain et une chaîne de tech? Parce que mes plus gros succès sont sur la Freebox Delta, les box internet, les choses comme ça où je râle, pourquoi c'est trop cher, pourquoi là. Parce que tout, on l'a vu à la première table ronde, tous ces sujets sont interconnectés. L'IoT, l'Internet of Things, l'Internet des objets. Demain, votre frigo va parler typiquement à l'éclairage public dans la rue. Demain, votre ticket de caisse Carrefour. J'espère que vous n'aurez plus ce filet de ticket de caisse. Vous savez, à la caisse, on vous donne un bon d'achat de 5 balles sur papier qui s'efface en 48 heures et que même lundi, vous ne pourrez pas l'utiliser. Votre ticket de caisse va remonter la DLC, la date limite de consommation. Cette date limite de consommation, elle va remonter sur votre compte Carrefour au champ Monoprix. Elle va la communiquer à votre frigo parce que quand vous allez mettre la viande dans votre frigo, vous allez mettre la viande dans votre frigo, cette DLC va dire « Ah, cette viande qui périme dans 3 jours, mon frigo maintenant est au courant qu'elle est en moi. » Parce qu'il y a une puce NFC, ce que vous voulez, qui a communiqué avec une petite SIM, une eSIM enfin, qu'on arrête ce bout de carton qui sert à rien là, qu'on met dans les téléphones. Et ça serait bien qu'Orange, qui annonce depuis 6 mois qu'il le gère vraiment et pas que sur les Apple Watch. Mais votre frigo sera au courant que cette viande qui périme dans 3 jours est dans votre frigo. Mais votre frigo sera aussi au courant de votre agenda parce que tout est connecté, parce que vous avez cliqué « j'autorise mon Facebook » et « j'autorise mon Google Agenda ». Et du coup, tu vas faire « ok Google, ok Alexa » pour ceux qui sont chez Amazon ou ce que vous voulez. Ce soir, réserve-moi un resto à telle heure, tel truc. Et Google passe un coup de fil pour vous parce que vous avez autre chose à faire. Vous finissez le nouvel épisode de Game of Thrones. Et là, Google vous répond, fait ah, attention parce que ce soir, si tu vas au resto, ta viande périme. Du coup, ce que je fais, c'est que je te mets sur la télé du salon une recette parce que j'ai tissé un partenariat avec Marmiton. Comment tu vas pouvoir cuisiner cette viande, parce que je sais qu'aussi dans ton frigo tu as des oignons, etc. Et tu vas me faire un magnifique bœuf aux oignons. Tous ces exemples-là, voilà, l'IoT, l'intelligence artificielle, les hautes connexions, la disponibilité de la 5G qui va vraiment aller très 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 vite. On n'est pas sur la 4G pour amener plus de débit, bien que sur Paris, il faudrait déjà avoir le débit de la 4G avant de mettre la 5. Mais ça, le haut débit, le déploiement de la fibre, l'avènement de la 5G dans des cartes SIM intégrées, dans vos voitures, dans vos électroménagers, dans vos appareils mobiles ou pas, qui vont se parler entre eux, vont donner des choses que vous n'imaginez même pas dans les films de science-fiction qui ont 20 ans. Le problème, c'est que les films de science-fiction qui ont 20 ans sont aujourd'hui des ingénieurs de 30 ans. Les ingénieurs de 30 ans ont fait des belles études de finance et savent faire des projets Kickstarter, Kickstarter, Bang Bang et compagnie, ou lever des fonds dont par l'intermédiaire des ICO, STO, est-ce que vous voulez qu'il finisse par un O. Et qu'avec 30 millions des ingénieurs qui ont grandi devant Star Wars, Seigneur des Anneaux et compagnie, ça va vous faire des projets plutôt sympathiques et vous n'imaginez pas ce qui vous attend dans les prochaines années. On est à 14 minutes, on va envoyer une dernière petite vidéo et puis je vous laisse là-dessus. J'anime un live toutes les semaines que vous avez vu dans la première vidéo sur des experts. Notre avocat tout à l'heure, il y aurait pleinement sa place. Je cherche des gens. Je fais des petits trailers aussi comme ça. Donc toutes les semaines comme ça, on se retrouve sur YouTube, on lance un live d'1 heure, on débrief de l'actualité crypto et blockchain et tech en général, puisque vous l'aurez compris, il n'y a pas de frontière entre tout ça. Voilà, il y a des youtubeurs belges, il y a des youtubeurs internationaux. Alors, on parle en français, on est en France, je vous rappelle que le niveau d'anglais, c'est pas trop ça. Voilà. On peut avoir des partenariats avec des gens qui viennent vraiment nous présenter vos projets. Donc, le jour où vous avez un besoin en communication vidéo, crypto ou tech, ça peut être le Meditech, l'EdTech, le LegalTech, tout ce que vous voulez avec tech au bout, hein, parce que ça, c'est aussi du buzzword. Bienvenue dans CryptoLive. Merci.